Comment ça va aujourd'hui? Grosse vidéo avec 4 jeux cette fois, 2 gros jeux et 2 plus petits jeux. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, mettez le pouce bleu, les commentaires pour soutenir, et puis allez voir la boutique Golden Meeple et soutenez-moi financièrement si vous pouvez sur la chaîne avec le petit lien KissKissBankBank en dessous. On attaque sans plus tarder, ouais, ça déconne pas aujourd'hui, on fait ça rapidement. On attaque sans plus tarder, Anunnaki. Sorti chez Intrafin à l'instant, ça fait un moment qu'on entend parler. Lui, j'ai l'impression que il a 4 ans de retard. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce jeu. C'est un Luciani, donc forcément, vous savez, ça fait un moment que je le suis. Je savais que c'était un 4X, donc jeu de confrontation avec de l'exploration, tout ça, à la sauce Luciani et donc avec Danilo Sabia qui a fait Rats of Wistar. Je crois que ce jeu, ils l'ont fait largement avant Rats. Et Rats est sorti avant. Donc, ouais, assez bizarre au final. Même les Kickstarter, je crois qu'ils ont été livrés que fin d'année dernière. Donc, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, il est enfin là. Et bien là. Et donc, comme vous en doutez, dans ce style de jeu, il y a de la bagarre. Et surtout, il y a une grosse dimension euro. Parce que Luciani. Qu'est-ce qui le différencie des 4X habituels? Bah en fait, c'est effectivement cette composante euro et puis même ce côté plateau personnel. Donc déjà, ouais, le premier truc qui change énormément, c'est ce côté sélection d'action sur un plateau. En fait, au début, tu te poses où tu veux sur une tuile bleue. Puis après, tu vas pouvoir aller faire une action adjacente à une tuile sur laquelle tu es posé. Okay? Quand tu passes une ligne, tu as un emplacement pour mettre un cube, tu poses un cube. Tu gagnes des cristaux dessous s'il y en a éventuellement. Et s'il y avait déjà un cube, bah, il se passe rien. Mais du coup, à quoi ça sert de mettre ces cubes? Ça sert que quand tu as entouré un pion comme ça, là par exemple, vous voyez ce petit triangle, si je mettais un cube ici, eh bien j'entourerais ce petit triangle et du coup ça me débloque un dieu mineur que je prendrais ici. Évidemment, ils ont des petits pouvoirs, ils ont un peu plus de force. Et la autre subtilité, c'est que si j'entoure le milieu ici, donc il y a un gros token qui a été enlevé parce que le dieu a été débloqué, tu débloques ton dieu majeur qui te débloque un pouvoir permanent parce que tu as un pouvoir permanent de départ et tu as un pouvoir permanent plus fort quand tu débloques ton dieu majeur. Donc voilà, assez simple. Pareil sur la simple. Je trouve que le jeu est relativement simple et accessible niveau règles. Quand tu as l'habitude de ce style de jeu, c'est vraiment très très simple. Vous voyez, on a les tokens de ressources ici. Donc on a une phase action qui correspond à ce que je viens de vous dire. Donc du coup, il faut connaître un peu tous les symboles, mais c'est vraiment assez simple, hein. C'est se déplacer, se téléporter, on va y revenir, récolter sur un territoire. Voilà, globalement, ça va être ça, choper un contrat. Il y a des contrats, oui. On va y revenir. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les fameux cristaux dont je viens de vous parler pour faire une action parmi tout ça. Donc soit copier une action, soit faire une action un petit peu spéciale. Par exemple, améliorer une tuile sur son plateau qui va avoir un effet bonus plus fort. Et après, on va pouvoir faire ses contrats et débloquer son fameux dieu dont je vous ai parlé. Donc voilà, la phase de jeu est assez simple. Qu'est-ce qui est vraiment bien et différent? Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a les contrats et la téléportation, et les deux sont un petit peu reliés. Donc, il n'a pas pu s'empêcher, c'est Luciani, il y a des contrats. Mais du coup, comment tu adaptes des contrats à un jeu de confrontation? Bah, en fait, c'est simple. C'est que sur les contrats. Merde, j'ai pas la photo qui le montre. Voilà, on voit les contrats ici. En fait, bah si on voit assez bien ici, sur les contrats ici, vous voyez qu'il y a un symbole. En fait, c'est le symbole d'un des dieux présents autour de la table, ou de toi-même. Du coup, si c'est un des dieux présents autour de la table, il faut que tu contrôles un territoire chez ce joueur. Et si c'est un de tes symboles à toi, il faut que tu contrôles un territoire sur Atlantide, parce que vous voyez, on a. Alors, le jeu prend une place monumentale, on va y revenir. Mais voilà, chaque joueur a sa planète sur laquelle du coup on peut se téléporter, on peut pas s'y déplacer, mais on a une action de téléportation qui nous permet de nous téléporter dessus. Et Atlantide qui est ici, qui est un peu la planète sur laquelle on va tous se battre parce qu'il y a des choses un petit peu spéciales dessus. Et en fait, ça encourage forcément à se déplacer, à devoir disperser ses troupes et à devoir aller chez les gens pour faire ses contrats. Parce qu'en fait, si tu n'as pas cette condition, tu vas devoir résoudre que la moitié du contrat, ce qui est quand même beaucoup moins bien, vous savez, surtout quand on aime l'optimisation. Donc voilà, moi je trouve que les deux choses que je viens de vous expliquer, à la fois ce plateau action et à la fois cette résolution des contrats qui te force à bouger sur les territoires, fait un jeu extrêmement dynamique, extrêmement agréable.
Et la troisième chose que j'aime beaucoup, qui là aussi est héritée de l'héritage Eurogame de Luciani, qui est que les ressources sont vraiment très tendues. Contrairement à un Voidfall par exemple, où la ressource est plutôt un truc que tu dois aller chercher régulièrement parce qu'il faut, là même quand tu as besoin de ressources, tu vas galérer à avoir les ressources que tu veux si t'as pas bien planifié. T'as vraiment une tension qui est assez grosse là-dessus. Et comme chaque type de ressources va te permettre de faire des types d'actions différents, et tu vas avoir besoin de types de ressources différents aussi pour faire tes contrats, bah du coup tu te retrouves vraiment dans des dilemmes assez importants et qui vont nécessiter parfois de devoir prendre des gros risques et donc là aussi d'aller sur des planètes adverses parce que pareil sur ta planète tu n'as pas toutes les ressources, en tout cas pas en quantité suffisante parce qu'au fur et à mesure elles s'épuisent. Donc là aussi encore une incitation à aller se déplacer. Et ben c'est vachement bien en fait, parce que du coup ça force vraiment le dynamisme du jeu. Et après les règles de combat elles sont vraiment très très simples, hein. C'est du 1 pour 1, tes dieux mineurs ils valent 2 de force, tes dieux majeurs ils valent 3, et après t'as droit de jouer une carte combat et l'adversaire a droit de jouer une carte combat en riposte. Voilà, point barre, simple. Et bah c'est pareil, moi j'aime bien ce côté simplicité des combats. Il y a assez peu de combats où t'avais vraiment une surprise en mode je pensais pas le gagner celui-là et tout. T'as du coup évidemment des cartes un petit peu de compensation, t'as des cartes en défense qui vont compenser par exemple quand tu te fais rouler dessus par 5 de. T'as quelqu'un qui arrive avec 5 de force, toi t'en as un, t'as quand même des moyens d'aller un peu lui piquer des ressources et tout. Donc il y a quand même des mini-compensations. Et après, on a un autre truc aussi qui est assez agréable. Déjà, le jeu à 3, il n'est pas ultra long. Et en plus de ça, c'est pas du tout salade de points. En fait, les points, là aussi, c'est marrant. Il y a un scoring un petit peu très Eurogame. En fait, on va monter des pistes au fur et à mesure. Et plus tu es élevé sur ces pistes, plus tu as un multiplicateur élevé qui est un multiplicateur sur ces objectifs que vous voyez au bout de la piste, en fait. Et en fait, ces objectifs, ils bougent à chaque fois. Et donc, bah, en fonction de là où tu es le plus avancé sur les pistes, tu vas avoir des incitations, soit avoir plein de troupes sur le board, soit à contrôler des sanctuaires, soit à avoir posé des colonies, qui vont être des points de spawn, entre autres pour tes unités, soit contrôler des lots de territoire. Donc vous voyez, il y a deux conditions qui sont reliées au contrôle de territoire. Donc, si tu te fais un peu rouler dessus militairement, ça a des conditions plus dures, mais il y en a deux autres qui sont pas du tout dépendantes de ça, parce qu'en fait, le truc intéressant, c'est que les colonies, on peut jamais te les détruire, et les troupes, on peut jamais te les détruire non plus. Quand tu perds en combat, elles reviennent juste dans ta capitale, donc tu perds du temps, clairement, parce que pas après pour retourner sur la planète et tout, tu vas devoir te re-téléporter. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas des masses de tuiles de téléportation, en fait, il y en a qu'une seule, hein. Donc si on est à l'autre bout du plateau, bah, il va falloir remonter jusque-là, donc il y a des petits raccourcis, il y a des moyens et tout, mais c'est pas si évident que ça. Après, on peut copier les actions aussi, mais voilà. Là aussi, comme les ressources sont très tendues, mais les actions sont très tendues. Des fois, tu te retrouves. En fait, il faut que tu analyses ton chaînage d'actions, mais des fois, tu vas pas pouvoir t'adapter à 100% ce qui se passe sur le board. Et donc, du coup, tu vas devoir trouver des options potentiellement un peu moins bien. Mais comme je dis, les cristaux peuvent permettre de couper une action. Enfin, il y a beaucoup de dilemmes comme ça qui créent aussi, là aussi, sur la sélection d'actions, beaucoup de tensions. Pareil, le jeu est assez lisible aussi parce qu'il n'y a pas 15 000 dieux, 15 000 pouvoirs de dieux. Donc là aussi, contrairement au jeu d'affrontement où tu as 1 milliard d'infos, bah là c'est relativement clair. Donc voilà, c'est vraiment, comme vous pouvez le constater à ce que je suis en train de dire, moi je trouve ça vraiment très bon. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus. J'ai l'impression qu'en fait le jeu s'est déshypé tellement qu'il a de retard. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'analyse. Peut-être qu'aussi le public Luciani l'a pas trop mis sur son radar parce que c'est un jeu un petit peu différent. Peut-être aussi que l'esthétique du jeu joue pas de ouf. Parce que moi, l'esthétique générale, je la trouve cool. Mais c'est vrai que le matos, c'est pas incroyable. C'est des figurines un petit peu à l'ancienne. On dirait presque du Risk sur les figurines. On est vraiment sur du matos. Alors, le matos, c'est pas cheap, mais les figurines, pour les amateurs de jeux de figurines et des Kickstarters, c'est clairement un petit peu cheap par rapport à la qualité actuelle. Mais encore une fois, moi, vous savez, je m'en fous, vous le savez que je m'en fous un petit peu de ça. Je préfère la qualité du jeu que le matos, hein, clairement. Si le jeu est pas ouf et qu'il a un plus un matos pas ouf, bah c'est clair que ça aide pas, mais de toute façon, si le jeu est pas ouf et qu'il a un matos ouf, je vais pas y jouer non plus. Donc ça n'a pas changé grand-chose pour moi.
Donc voilà, moi je trouve ça vraiment hyper bon, et au rang des défauts, bah, il y a effectivement ces figurines qui ne sont pas incroyables. Moi je mets pas ça dans les vrais défauts. Par contre, ce que je mets un petit peu plus dans le vrai défaut, c'est la taille que ça prend, quoi. Vraiment la place que ça prend, c'est juste n'importe quoi. Parce qu'en fait, toi, tu as un gros plateau perso comme ça qu'ils auraient clairement pu réduire, hein. Il n'y avait pas besoin de faire un si gros plateau. Et en plus, tu as ta planète qui doit être visible par tout le monde. Et au centre, t'as l'Atlantide, plus ce plateau-là qui est beaucoup trop gros aussi pour ce qu'il fait. En fait, ils auraient pu vraiment réduire des choses. Et au final, bah, quand tu joues à 4, ça rentre à peine sur ma table. Hein. Je sais même pas comment on a fait. Donc t'as ces 4 plateaux perso, plus 4 planètes perso, plus une grosse planète centrale, plus un gros plateau central. Enfin, c'est n'importe quoi. Plus, en plus, évidemment, en plus de ton plateau perso, il faut quand même de la place pour mettre tes cartes dieux et tout. Enfin, c'est du délire. L'autre défaut aussi que je mettrais, c'est que il n'y a que 4 factions de base. Donc il y a un Kickstarter, évidemment c'est issu d'un Kickstarter, donc il y a des factions en plus sur les extensions. Je ne sais pas si elles vont sortir en retail, mais moi 4 factions de base, je trouve ça un poil léger. Moi j'en aurais mis 6, hein, clairement, histoire de varier, parce qu'en plus il y a une faction que tu n'aimes pas trop et que tu joues à 4. Bon, tu peux en prendre une autre, mais si tu te retrouves dessus par hasard, bon, voilà. Moi, je trouve pas ça incroyable de voir toutes les factions à chaque fois. Après, c'est peut-être aussi pour avoir un espèce d'équilibre sur les parties à 4 que ces 4 factions s'équilibrent entre elles aussi. C'est possible. Comme ça, là, ça m'a pas sauté au visage, mais bon, s'ils en ont développé deux de plus, c'est que forcément, elles marchent aussi, hein. Donc voilà. C'est un défaut mineur, mais il est là. Par contre, ce qui est pas mal pour contrebalancer ça, c'est que tu as plusieurs cartes de dieux mineurs, et au début, tu vas en prendre 5 aléatoirement, en garder que 4. Donc tu as quand même une petite variabilité là-dessus, donc ça c'est pas mal. Et voilà, hein, moi je trouve le jeu vraiment excellent. Je trouve que pour le coup, tout ce qu'on a dit sur Voidfall, que c'était enfin un Eurogame en 4X et tout, et moi je trouvais que c'était pas du tout le cas, parce que je trouve pas du tout des sensations d'euro sur la tension des ressources et tout. Et sur les combats, que je trouve plus bloquants qu'autre chose, parce que comme tout est dit et dicté à l'avance, t'as pas vraiment d'intérêt à faire les combats. Là, je trouve qu'on est vraiment dans des sensations beaucoup plus euro, à la fois sur la tension des ressources, à la fois sur le fait de pouvoir faire assez peu de combats et de plus te concentrer sur d'autres pistes, et dont les contrats par exemple. Même s'il faut pas non plus totalement perdre son territoire et tout, mais voilà, tu peux te permettre d'avoir assez peu de territoire, mais arriver à faire pas mal de points quand même, parce que de toute façon, t'as des factions qui sont moins orientées combat. Et puis ce scoring de fin aussi, que je trouve pas du tout salade de points, qui est assez clair dès le début en fait, avec des axes très très clairs. Vraiment, l'essentiel des points, c'est ça. C'est vraiment ça. Et les points que tu fais en cours de partie, évidemment, sur les contrats et tout ça. Donc vraiment, les deux axes de points principaux, c'est vraiment cela. Je trouve ça vraiment très agréable. Il y a quelques points de fin de game sur quelques dieux et tout, mais c'est assez marginal au final. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le jeu. Et si vous aimez les Eurogames mais n'êtes pas totalement allergique aux 4X, à affrontements, mais que vous cherchez quelque chose, mais que vous êtes quand même plus vers l'Eurogame, je vous conseille vraiment, vraiment d'y jouer. Par contre, peut-être que si vous êtes vraiment très branché 4X et jeux d'affrontement, peut-être que c'est pas le bon celui-là, dans le sens où peut-être qu'il est peut-être un petit peu trop simpliste sur cette composante-là. Mais comme je vous dis, qui se fait plutôt au bénéfice de la partie euro. Donc voyez où vous vous situez par rapport à ça. Le jeu est à 80 balles, je crois. Bon, c'est un peu la norme aujourd'hui. Au moins, le plateau est double couche sur la plupart des aspects. Voilà. Moi, je trouve pas ça complètement déconnant. C'est pas incroyable, mais c'est pas déconnant non plus. Et Cranio, ils ont tendance à être un peu plus chers de toute façon. Encore une fois, si c'est parce que le développement est meilleur, moi, ça me va totalement. Je préfère un très bon développement, un bon matos. Je trouve ça mieux de payer les gens à développer un bon jeu que de payer du plastique dans une usine chinoise. Donc voilà, ça c'est ma position là-dessus, vous la connaissez. Donc voilà, grosse grosse recommandation à Nunaki, en garde sans souci. Et tous les gens avec qui je jouais ont vraiment bien aimé, même Seb qui aime beaucoup Voidfall aussi. Donc voilà, il y a vraiment une place sur le marché pour moi pour ce jeu-là, qui est vraiment très différent dans son style. Ensuite, on passe à Pirate of Maracaibo. Je crois qu'il sort qu'en juillet celui-là. Bon, j'ai une copie à l'avance de Super Meeple, vous connaissez, hein, vu que je les connais bien. Il m'intriguait beaucoup parce que j'aime beaucoup Fister. Maracaibo, j'ai beaucoup joué.
J'y joue plus du tout maintenant, j'avoue, mais j'ai quand même une grosse période Maracaibo. Et j'étais intéressé par celui-là parce que je me disais, du coup, ça a l'air d'être une bonne version pour initier les gens à, sans forcément repasser par Maracaibo, avec une version plus initiée, un peu plus simple sur les règles et la mise en place et la durée de partie, tout en gardant un peu l'essence du jeu. Donc je trouvais ça plutôt pas mal comme parti pris. Et effectivement, ça fait plutôt bien ça pour le coup. Donc vous voyez, le plateau principal maintenant, c'est des cartes. Et en fait, quand tu vas aller dessus et que tu vas potentiellement acheter la carte, tu vas la remplacer par une autre carte, et tu vas prendre la carte dans ta zone de jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça crée quand même pas mal de variabilité, vu qu'évidemment, tout ça, c'est très différent à chaque fois. Il y a des îles aussi qu'on va pas pouvoir acheter qui vont déclencher des actions. Ça correspond un petit peu aux villes, à Maracaibo, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, il y a un changement thématique et mécanique un petit peu différent qui est que plutôt que la guerre militaire et l'influence sur les différents pays, maintenant tu es un pirate, donc tu vas aller choper des coffres à trésors. Et il y en a trois types. Donc un petit peu comme les trois factions avant, qui vont choper trois ressources différentes, et donc du coup on peut un peu spécialiser là-dedans. Et le truc un petit peu rigolo, c'est qu'en fait, donc tu as une espèce de force militaire, hein, exactement comme dans Maracaibo, et tu jettes un dé, et tu vas pouvoir ajouter ta force militaire à ça en plus. Et donc du coup, tu vas pouvoir répartir cette valeur. Par exemple, imaginons, tu jettes un dé, tu as 5. Et tu avais deux épées en plus, donc tu as une force de 7, et tu vas pouvoir choisir là-dedans qu'est-ce que tu prends. Donc par exemple, ça va coûter 5 d'aller choper un joyau de l'île, et ça va coûter 2 de choper 3 pièces. Mais tu vas pouvoir, notamment via ton plateau perso ou des cartes actions que tu vas acheter, avoir d'autres possibilités de ça. Par exemple, j'en sais rien, pour 4, tu vas gagner 2 sous et 3 points de victoire. Je dis un exemple vraiment au pif. Et évidemment, sur cette force militaire, tu dois à chaque fois prendre des options différentes. Donc c'est bien de débloquer de nouvelles options, parce que déjà, elles sont plus fortes dans leur ratio. Et en plus de ça, quand tu as beaucoup de force militaire, tu as besoin de l'utiliser sur des actions différentes qui vont être rentables. Après, sur le reste, ça change pas grand-chose. Ah oui, si, un truc assez rigolo, c'est que ces trésors, tu as une action avec une pelle pour les enterrer, qui vont te faire gagner d'autres bonus et qui vont faire que ces trésors vont valoir plus. Et t'as une mécanique de scoring un petit peu à la Clans of Caledonia, où plus un trésor a été pris, moins il aura de valeur en fin de partie, et inversement. Donc voilà. Et globalement, c'est principalement ça qui va changer. La durée de partie va changer aussi. On est sur du 1 heure, vraiment. C'est beaucoup plus court, t'as que 3 manches. T'as une piste d'exploration comme avant. T'as un plateau perso où tu vas débloquer des bonus. Là aussi comme avant, mais moi je les trouve plus intéressants là, il y a plus d'options. Il y a beaucoup plus d'options, c'est beaucoup moins guidé. Donc je trouve ça plus intéressant. Et il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est que par exemple, pour prendre ceux du milieu, il va falloir que tu en aies débloqué au moins 2 ou 3, je sais plus quel est le ratio ici. Donc tu as un petit peu un ordre, mais tu as des choix là-dedans parce que tu as plus d'options évidemment que de cubes que tu peux débloquer. Donc voilà, ça plutôt cool aussi. Globalement, moi je trouvais ça vraiment bien. Sauf que. Il y a un gros reproche, et ça c'est un gros reproche personnel, c'est que je trouve que le jeu est pas assez tendu sur les ressources, sur les déblocages. Enfin, rien n'est tendu en fait dans le jeu. Pour moi, ça c'est vraiment un gros souci. Déjà, les cubes là de déblocage, tu vas en débloquer vraiment beaucoup. L'argent, t'en as beaucoup, vraiment, et il y a beaucoup de moyens d'en faire assez facilement en plus. Et donc l'argent te permet d'acheter les cartes qui permettent de faire ton moteur, tout ça. Ça te permet d'acheter aussi du endgame scoring sur certaines cartes. Donc l'argent, c'est vraiment la vie, forcément. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vous allez me dire, ouais, mais si les gens accélèrent à chaque fois, parce qu'en fait, on va avancer avec son bateau, et plus tu avances vite, plus tu vas déclencher la fin de manche vite. Oui, certes. Mais sauf qu'on n'a pas trop vu l'intérêt à accélérer en fait, parce que ouais, d'accord, t'accélères à la fin de partie, mais t'as envie de faire des trucs, t'as envie de faire des actions en fait. Le jeu ne t'incite pas du tout à accélérer. A contrario, par exemple, dans Great Western, où quand t'arrives en bout de piste, tu vas vendre tes vaches, et donc du coup, t'as envie une fois que t'as une bonne combinaison de vaches dans la main, t'as quand même envie plutôt d'accélérer, d'optimiser déjà tes actions sur le passage, parce que t'as quand même des actions plus optimales que d'autres, notamment par rapport au worker que t'as débloqué, et en plus de ça. T'as aussi envie, parce que t'as plus de thunes sur le chemin, d'aller vite vendre tes vaches, parce qu'il n'y a pas 40 000 moyens de faire de l'argent dans le jeu. Donc le jeu t'incite vraiment à accélérer. Le jeu, il te dit pas, vas-y, tu vas y aller tranquillou et tout. Là,
Bah, comme tu as plein d'argent tout le temps et tout, bah, tu as envie de le dépenser, donc tu as envie de t'arrêter un peu partout. Et même en essayant d'accélérer un poil et tout, tu as quand même des garde-fous parce que tu es obligé de t'arrêter 2 fois avant la fin. Et puis, toutes les actions sont bien en fait. Et encore une fois, comme tu as plein d'argent, tu as envie de le dépenser. Pourquoi tu n'irais pas dépenser cet argent que tu gagnes relativement facilement? Donc, voilà. Là, ça c'est personnel, encore une fois, moi vous savez que j'aime les jeux qui ont quand même une composante un peu tendue. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix, que comme le jeu est plus initié, peut-être plus accessible, ils ont fait le choix de moins le tendre. Moi j'avoue que je ne le comprends pas ce choix-là, parce que je trouve que tout ce qu'ils avaient fait c'était parfait. Même la durée de jeu à 1 heure et tout, c'est vraiment bien, les règles sont plus simples à expliquer et tout. Mais pourquoi avoir détendu ça en fait? Parce que du coup, même moi, ma copine, qui n'est pas une énorme joueuse, qui est une joueuse plutôt moyenne, on va dire, dans la moyenne, bah même elle, elle a trouvé qu'on faisait quand même un peu ce qu'on voulait, notamment sur la troisième manche, où vraiment, t'as plus aucune limitation de rien, ou presque, j'ai vraiment fait, dès la première partie, j'ai fait tout ce que je voulais. Moi, vous savez que c'est un peu un trigger warning, ce genre de truc. Ça veut pas dire que le jeu n'est pas agréable, ça veut pas dire que ça va être un défaut rédhibitoire pour vous. Pour moi, ça allait un petit peu, j'avoue, parce que honnêtement, moi je trouve qu'en dev, ils auraient quand même dû un peu tendre, notamment l'argent que tu gagnes, et peut-être même les déblocages de cubes aussi qui se débloquent assez facilement. C'est un peu une combinaison des deux. Je pense que ça aurait mérité de tendre légèrement un peu ça, ou alors de mettre une incitation dans le jeu à accélérer en fait. Peut-être justement une des manières de faire de l'argent étant d'arriver au bout, j'en sais rien. Mais là, en l'état, ça manque de tension là-dessus, à mon sens. Si c'est pas quelque chose qui vous pose problème dans les jeux et que vous avez envie, préférer jouer plutôt à la cool et pas tout le temps avoir le couteau sous la gorge sur l'argent, c'est un peu l'antithèse en fait d'Anunnaki. Anunnaki vraiment est très 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 tendu, parfois même un poil trop. Là, on est vraiment dans l'inverse. On est totalement dans l'inverse. Moi, je préfère que ce soit un poil trop tendu. Même, je vous avais parlé de Salton Sea il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment comme ça. C'est un peu, moi, ce que j'appelle les jeux à l'ancienne là-dessus. Là, on est vraiment dans un truc très moderne de se dire, on va faire initié, on va faire plus familial, du coup, on va tout détendre. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Je trouve ça un peu dommage, justement. Moi, je trouve ça très bien, les jeux initiés qui ont un peu de tension. Bah, ça veut pas dire qu'il y a zéro tension dans le jeu, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à mon sens, c'est trop détendu. Donc voilà, en fait, c'est mon seul reproche que j'ai sur le jeu, et le problème c'est que c'est un défaut, moi j'ai du mal à passer outre. Et c'est très frustrant parce que j'aime le jeu surtout, en fait, je trouve le jeu vraiment excellent sur tout le reste, mais voilà. Donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous pose problème ou pas dans les jeux de manière générale. Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus et je suis un peu frustré là-dessus. Je vais quand même continuer à faire quelques parties, histoire de voir peut-être qu'il y aura moyen de, je sais pas, je vais peut-être trouver une variante ou un truc comme ça assez simple qui peut peut-être tendre un peu le jeu, un peu plus là-dessus. On va voir. En tout cas, c'est frustrant parce que c'est à peu près le seul défaut que j'aurais à lui dire en fait. Donc voilà. À vous de voir ce que vous en pensez. On va suivre BGG aussi, voir s'il n'y a pas des gens qui viennent peut-être avec une variante assez simple là-dessus. Parce que c'est peut-être un truc qui peut se régler relativement facilement. Hein. Donc voilà. On passe à la suite. Eternitium. Donc ça, l'éditeur m'a envoyé un mail. Donc c'est un tout petit éditeur belge, si j'ai bien compris, qui m'a envoyé un mail là-dessus. Et c'est marrant parce que j'avais vu passer le Kickstarter et ça m'avait intrigué, notamment par rapport à l'esthétique du jeu. Voilà, moi je trouve les cartes vraiment très stylées. Et en fait, j'avais regardé un peu la mécanique à l'époque et ça m'avait intrigué. Et là, du coup, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse et tout. Ben, j'ai dit bah ouais, carrément, vu que le jeu m'avait intrigué déjà à l'époque. Donc, cool. À savoir que des fois, on me demande, on me dit tiens, tel jeu t'intéresse et tout. Il y a plein de jeux, j'ai pas envie parce que je sais que ça va pas m'intéresser. En fait, je reçois des boîtes sur des jeux qui ont déjà de base. Un truc qui va potentiellement m'intéresser parce que j'ai pas le temps de jouer à tout, j'ai pas le temps de lire les règles de tout. Ça a l'air cool de recevoir des jeux gratos comme ça et tout, mais quand tu reçois 15 jeux par mois, ce qui n'est pas mon cas, mais si j'en recevais 15, je les bâclerais parce que de toute façon, j'ai pas le temps de tous les jouer et de tous les lire. Donc j'aime bien quand même avoir un point d'accroche. Après, ces jeunes éditeurs et tout aussi, je suis plus tolérant parce que bah, ils ont plus besoin de mise en avant. Donc si en plus c'est sur un jeu cool, bah, je vais le faire, tu vois. Mais il faut quand même que le jeu m'intéresse un minimum. Du coup, qu'est-ce que c'est ce jeu? En fait, alors,
On a des cartes comme ça devant soi qui représentent des formes. On démarre avec, je crois que c'est 10, et la première est face visible. Du coup, comme vous voyez, j'ai des cartes avec des symboles dans ma main. Ça, c'est le premier type de carte. Du coup, pour enlever ce portail, il va falloir que j'ai un triangle. Donc, je joue dans ma défausse une carte avec un triangle, boum, je l'enlève. Une fois qu'elle est enlevée, j'ai un portail qui face cachée, qui a cette face-là. Du coup, c'est face cachée, je ne sais pas quelle couleur c'est. J'ai deux choix. Soit je vais jouer une carte qui va me permettre de la révéler. Donc, par exemple, il y a un petit robot, donc on en a un dans son deck de base, on va pouvoir en choper d'autres, qui va me permettre de la révéler, de voir par exemple qu'il faut un carré pour l'enlever. Soit je vais faire au pif et je vais dire, bam, je joue ma carte carré et je la regarde. Et si c'est pas un carré, je remélange tout ça, je remets face cachée, je remélange. Et par contre, au lieu de piocher 5 cartes au tour d'après, j'en piocherai que 4. Vous dites, c'est du pif, c'est un peu nul, pourquoi faire ça? Ben en fait, premièrement, déjà, je vous ai dit, déjà, je vous ai un peu spoilé, donc il y a une carte qui permet de révéler ces cartes-là, carte portail. Et il y a plein de pouvoirs, en fait, parce que, truc assez malin, c'est qu'à la fin de son tour, on va pouvoir acheter une de ces cartes. Donc on a les cartes qui coûtent 1 et les cartes qui coûtent 2. Elles coûtent quoi, en fait, exactement? Hop, elles coûtent de prendre des portails. Donc en fait, elles te ralentissent. Donc imaginons, je prends une carte ici qui est forte, qui est plus forte, je prends les deux portails et je les mets sur le dessus. Le but étant de vider sa pile de portails, vous dites putain, c'est complètement con de se rajouter des portails. Ouais, mais le truc, c'est que déjà, j'ai une carte super forte que je vais mettre sur le dessus de mon deck. Et en plus de ça, ces cartes, elles sont face visible. Donc potentiellement, je vais pouvoir les virer beaucoup plus facilement. Sachant qu'en plus, au début de sa phase d'action, on prend une carte portail là. Donc on peut déjà un peu commencer à anticiper. Typiquement, moi, au début de mon tour, je vais prendre un carré parce que je sais que je vais récupérer un carré derrière. Le truc, c'est qu'il y a évidemment des cartes qui vont disrupter un peu tout ça. Par exemple, il y a une carte un peu avancée qui font retourner trois cartes face visible de tous les joueurs. Donc du coup, ça gâche un petit peu ton plan. Voilà. Voilà. J'ai un peu expliqué la phase de jeu. Eh bien, déjà, ce qui saute comme ça à l'œil direct, c'est que c'est beau. Franchement, c'est très cool. Alors, paradoxalement, ce que je trouve le plus moche, c'est cette espèce de cristal là. Je sais pas ce que. En plus, c'est le truc central du jeu, l'éternitium et tout. Il y a un espèce de cristal un peu moche. Au-delà de ça, tout est beau. Bon, j'avoue, le logo de la boîte, je le trouve pas ouf non plus. Voilà, désolé, désolé, hein, mais je trouve ça vraiment pas ouf. La police, la typo, le meeple, pourquoi un meeple? C'est beaucoup trop banal. Voilà, je vous conseille quand même de la changer. Par contre, tout le reste, très très chouette. Vraiment très chouette. Là, déjà, c'est un truc qui attire direct l'œil quand tu fais un Kickstarter, ce genre de truc, ça aide beaucoup. Et le jeu est vraiment agréable à jouer. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Ça joue très bien à 2, ça joue très bien à 3, ça peut jouer jusqu'à 5. Je vois pas trop l'intérêt parce que tu fais quand même un peu le tour dans ton coin, même s'il y a des trucs d'interaction. Mais en gros, comme dans n'importe quel deck builder, t'attends que la personne ait fini tous ses tours, sachant qu'il peut y avoir pas mal de trucs parce qu'il y a des trucs qui font piocher et tout. Vous connaissez deck builder à l'ancienne. Mais voilà, cette mécanique d'enlever les portails, d'aller disrupter un peu les adversaires et tout, de reculer pour mieux sauter en achetant les cartes, moi je trouve ça vraiment très cool. J'ai pas beaucoup plus à en dire dans le sens où ça coûte 20 balles, c'est un jeune éditeur, c'est assez rare d'avoir des jeux de cette qualité pour des premiers jeux. Donc je sais pas si c'est le premier jeu des auteurs, mais en tout cas, les deux, ils ont sorti deux jeux cette boîte et celui-là c'est un de ces deux. Donc voilà, ça coûte 20 balles. Honnêtement, si vous aimez un petit peu le deck builder avec un twist un peu intéressant, allez, et que vous êtes un peu attiré par la DA, moi j'étais très attiré par la DA, franchement allez-y direct. Moi je trouve ça vraiment très cool, ça coûte que 20 balles. On a vraiment fait pire investissement dans la vie, ça se transporte assez facilement en voyage, marche très bien à deux, on a fait pas mal de parties avec ma copine. Pff, franchement, grosse reco, allez-y. Je suis pas en train de dire que c'est le jeu du siècle qui va vous retourner le cerveau. Mais c'est un jeu qui fait extrêmement bien ce qu'il est censé faire. Et rien que ça, bah, c'est déjà vraiment très très bien. Il est très agréable à l'œil, agréable à jouer. Voilà, hein, ça coûte que 20 balles, c'est un bon format, ça s'explique très facilement. Ah si, on va quand même dire en gros reproche. Putain la règle. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je crois c'est la pire règle que j'ai. Enfin, déjà de l'année, c'est sûr. Mais alors, ça fait longtemps que j'avais pas lu une aussi mauvaise règle. J'aurais presque envie d'envoyer une fiche de là, ça, ça, ça. En gros, y a rien qui va. En fait, quand ils expliquent des trucs, ils mettent pas les exemples, déjà.
Il y a des formulations qui sont vraiment bizarres. Il y a des rappels de mini-points de règles qui ne sont jamais faits. Par exemple, à un moment, tu as la phase 5 où tu repioches jusqu'à avoir à 5. Et là, ils disent, sauf exception, dit dans tel point. Mais dites-la, l'exception, en fait, re-rappelez-la et mettez-la en gras. Parce que c'est un truc que tu oublies assez facilement. Surtout qu'en plus, c'est ce que je vous ai dit, quand tu paries sur un portail qui est face cachée, que tu paries avec un truc et que ça colle mal. Du coup, tu pioches que 4 cartes au lieu de 5. C'est pas dit en gras, c'est pas rappelé à ce moment-là. C'est dans un encadré, dans une phase particulière. Oh là là, quelle cata! C'est ouf. Enfin, c'est ouf. Non, je vais beaucoup trop là, mais c'est vraiment ni fait ni à faire. Il y a à la fin, il y a un exemple de tour de jeu qui est pas hyper clair. Je sais pas. Allez regarder une vidéo règle, ça sera plus simple. Vous perdrez moins de temps, vraiment. Moi, je me suis retourné arracher les cheveux là-dessus. Je l'ai lu deux ou trois fois. Enfin, vraiment catastrophique. Il y a plein de trucs qu'il faudrait reprendre point par point, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Pareil derrière, tu peux faire un rappel des phases de jeu, c'est pas fait. Par contre, ce qui marche bien, la règle sert juste pour les explications des cartes spéciales. Pareil, l'iconographie des cartes spéciales est pas ouf. Je sais pas pourquoi. À chaque fois. J'ai dû faire 5 parties et jusqu'à la cinquième, j'étais encore obligé d'être allé revenir dans le livre de règles pour me rappeler quelle icône faisait quoi. Ça, je trouve ça un peu bizarre aussi. Ils ont essayé de faire des icônes un peu spéciales, adaptées à l'univers et tout, mais du coup, ils n'ont pas assez de rappels avec des choses qu'on connaît déjà. Voilà, c'est un peu des erreurs de jeunesse d'un jeune éditeur, mais l'essentiel est là, le jeu est bon. Matez une vidéo règle, voilà. C'est aussi simple que ça, je crois que tu as des vidéos règles de moins de 10 minutes, c'est beaucoup plus simple, le jeu est beaucoup trop simple en plus pour se prendre la tête sur ce livre de règles. Donc vraiment, aller mater une vidéo règle, ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est le seul vrai défaut que je mettrais, c'en est un, mais aujourd'hui, quasi tout le monde, je suppose, va avoir des vidéos règles, donc voilà, pas de souci. Ne les pénalisez pas juste là-dessus, ça serait dommage. Encore une fois, c'est un jeune éditeur. Moi, je trouve qu'ils ont fait un jeu vraiment de qualité, je dis pas ça parce que je l'ai reçu, hein, vous savez. J'en parlerai même pas. Si le jeu, j'avais pas aimé, j'en parlerai même pas. Si j'avais pas joué, j'en parlerai pas. Donc voilà. Grosse recommandation pour moi. Et d'autant plus pour soutenir un éditeur indépendant, je trouve ça important. Donc voilà. On passe à un jeu d'un éditeur pas du tout indépendant. D'un jeu pas du tout indépendant. Pourquoi je parle de ce jeu? J'ai reçu ça dans un colis Asmodée. Je l'avais pas du tout demandé. Donc des fois, Asmodée, tu sais pas pourquoi, il t'envoie des colis. T'as l'impression que tous les influenceurs reçoivent le même. Donc du coup, t'as des trucs que t'as pas du tout envie de jouer et tout. Et ça, bah, je pense qu'il serait resté sous cellophane si Paul Gara m'avait pas dit vas-y, on joue à Captain Flip quand elle est venue chez moi. Pas parce que j'avais l'air de trouver ça horrible, mais j'avais pas du tout l'air d'être la cible. Encore une fois, il faut le décellophaner, le dépuncher, lire les règles. Ça paraît con comme ça, mais encore une fois, quand tu dois traiter pas mal de jeux. Tu mets des priorités, forcément. Et Captain Phillips, c'était pas ma prio. Mais du coup, elle me l'a fait tester. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'était Paolo Mori. Et Paolo Mori, c'est quand même un gros designer. Hein. Moi, il y a des trucs que j'aime vraiment bien chez lui. Eh bien, ça ne rate pas. C'est vachement bien. Ouais, vous êtes hyper étonné que je dise ça. Mais c'est cool, du coup, de recevoir des jeux que j'aurais jamais achetés, en fait, ou j'aurais jamais joué à part en asso. Et comme je vais un peu moins en asso, c'est avec ces jeux-là, je les côtoie moins. Mais du coup. Je trouve ça cool. Un peu comme Trekking Through History, c'est pareil. Même si Trekking, je pensais un peu plus que c'était ma came. Ça, je pensais, mais vraiment, vraiment pas du tout. Donc, vous connaissez le principe, hein, je pense. Hein, vous piochez une tuile dans un sac, et le choix que vous avez, c'est de la laisser comme elle est ou de la retourner. Ça a l'air complètement con comme ça, mais le truc qui est intéressant, c'est que les tuiles, évidemment, elles ont des effets circonstanciels selon l'avancement de la partie et selon les autres tuiles que tu as posées. Et c'est là un petit peu la magie. Par exemple, cette tuile-là que vous voyez. Elle ne rapporte 4 points en fin de partie que si elle est en haut d'une colonne. Donc si tu la tires et que tu n'as pas moyen de la mettre en haut d'une colonne, évidemment, tu vas avoir tendance à vouloir la retourner. Mais il y a par exemple le singe aussi qui peut permettre de tourner une tuile adjacente. Donc des fois, tu te retrouves dans une situation, tu as tourné une tuile, c'était de la merde. Le singe va permettre de pouvoir la retourner. Tu as aussi un twist avec la canonnière où tu gagnes immédiatement 5 points de victoire. 5 pièces, c'est les points de victoire. Si tu en as 3 à la fin de la partie, tu as perdu. Mais il y a des moyens de la flipper. Il y a une tuile qui fonctionne si elle te rapporte des points, si elle n'est pas dans la ligne, une colonne, une canonnière. C'est beaucoup moins con que ça en a l'air. Moi, quand on me l'avait présenté, je croyais que c'était vraiment complètement con comme jeu. Je croyais qu'il n'y avait aucun choix ni rien. Et en fait, vraiment, dans cette cible, sur 15-20 minutes, ludique,
avec un petit peu d'interaction sur les plateaux avancés. Les plateaux avancés sont vraiment pas mal niveau interaction. Il y a la carte au trésor qui crée un peu une interaction aussi. Moi, je trouve ça vraiment un jeu familial de 15-20 minutes. C'est une leçon de game design. C'est incroyable. Non pas que je trouve le jeu incroyable à jouer et que j'ai envie d'y jouer tout le temps et tout, mais vraiment pour ce style de jeu, même faire jouer des gosses et tout, mais c'est incroyable. Faites jouer, arrêtez de faire jouer du Cluedo ou des trucs comme ça aux gens qui savent pas jouer, faites-leur jouer un truc comme ça, vraiment, c'est incroyable. J'ai même fait jouer une pote qui a jamais joué à un jeu de sa vie, elle avait trop peur et tout, j'ai fait jouer à ça, j'étais là, ben t'as vu, c'est pas si douloureux quoi, tu vois. C'est vraiment, la leçon de game design. Et puis, du coup, moi, il y a un truc que je trouve assez brillant que ça fait là-dedans, et c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup posé de questions dessus depuis que je fais un jeu, et c'est sur un gros jeu, mais c'est une question que tu poses aussi. C'est la question du contrôle que tu donnes au joueur et quel est le contrôle réel qu'a un joueur quand il y a des paramètres aléatoires, par exemple des cartes, de l'interaction et tout. Et en fait, plus ça va, donc peut-être que j'évoluerai dans cette pensée et tout, mais en tout cas, c'est une pensée qui commence à se construire là-dedans et qui est vraiment pour moi le point central de ce jeu, c'est l'illusion du contrôle. En fait, j'ai l'impression qu'il faut donner plus que le contrôle réel que tu donnes à un joueur. J'ai l'impression qu'il faut au maximum donner des illusions de contrôle, c'est-à-dire donner des options de jeu au joueur pour qu'il ait l'impression de faire des choses intelligentes dedans et qu'il ait l'impression d'être récompensé pour ça. Et ce jeu le fait parfaitement. En fait, cette simple mécanique de flip et le fait que les tuiles soient circonstancielles te donnent cette illusion de contrôle. Très honnêtement, je sais pas du tout si tu gagnes parce que t'es fort ou parce que c'est total pif, du hasard des tuiles et tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais il te donne cette illusion satisfaisante de faire des trucs intéressants, et comme c'est ramassé de toute façon sur un jeu qui dure à peine 15 minutes, bah en fait ça marche parfaitement. Ça marche vraiment parfaitement. Donc voilà quoi. On y joue à deux, on y a pas mal joué à deux. Ouais, je crois que j'ai quasi joué qu'à deux en fait, et à deux je trouve qu'il tourne très bien. À plus, c'est un poil plus long, mais ça doit tourner bien aussi tellement que la phase de jeu elle est rapide. Donc j'ai envie de dire honnêtement, en fait, si vous avez dans votre entourage direct un public familial, achetez-le sans problème. Je pense vraiment, moi c'est un des meilleurs jeux familial aussi rapide auquel j'ai joué depuis bien longtemps quoi. C'est vraiment, après encore une fois, je suis pas un spécialiste de ce genre de jeu, donc il y a peut-être des trucs auxquels je passe à côté. Mais depuis Charlatan de Belcastle, qui est quand même plus long, c'est un des meilleurs trucs auxquels j'ai joué quoi. Vraiment dans cette catégorie-là encore une fois. Donc voilà, vraiment, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette cible, allez-y à 10 000%, c'est vraiment très très bon. Je conseille vivement, donc bah, je vais le garder. Incroyable, mais vrai, je vais le garder. Et pareil, l'édition est parfaite. Je trouve la boîte trop grosse. Ça, c'est un peu chiant, parce que du coup, pour le transporter, c'est pas trop un jeu transportable. Ça, c'est un peu dommage, parce que c'est typiquement un jeu que j'aimerais bien transporter et jouer dans le train rapido. Mais par contre, tout le reste, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de plateaux différents. J'ai vu qu'ils allaient sortir une extension avec d'autres plateaux, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les tuiles sont de bonne qualité. L'esthétique générale est plutôt cool. Je trouve que la boîte est un peu enfantine. Je suis pas très fan de la boîte. Mais par contre, l'intérieur, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est assez paradoxal. Ça, on a vraiment l'impression que c'est une boîte pour vendre vraiment aux enfants dans les Fnac et tout. Ça marche sûrement, hein, ça, je sais pas. Je suis pas éditorial, j'ai pas de connaissances éditoriales sur ce type de public, donc je suppose qu'ils l'ont fait dans ce sens-là. En tout cas, ouais, c'est. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils ont parfaitement signé le bon jeu. Je crois que c'est le premier jeu de cette boîte en plus. C'est incroyable d'avoir le nez, d'avoir chopé un jeu comme ça direct. Bon, c'est pas des nouveaux, hein, Playpunk. Qui sait? Je sais que c'est des gens de d'autres gros studios. Je crois que c'est Bozak, non? Il y a Boza notamment qui est dedans. Je peux pas dire de conneries, mais je sais qu'il y a quelqu'un de gros là. Il y a deux personnes qui pèsent gros dans le jeu, qui sont à l'origine de ça, et ça sent pas le premier jeu d'une boîte pour le coup. Hein. Donc voilà, incroyable. En fait, je m'attendais pas à trouver ça si bien en fait. Je savais que c'était au moins bien, tu vois, mais vraiment. Ouais, ça met une leçon une leçon de game design dans la face, clairement. Voilà. Donc voilà, on a fini ce gros tour d'état des lieux. Donc là, les sorties se ralentissent en poil, je crois, mais du coup, on va faire quelques petits bilans, quelques petites discussions. Il va y avoir pas mal de choses à discuter un peu cet été.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette grosse review et je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao!